Bon alors, après le boss, il est temps de faire du rock and roll, Rolling Stones. Oh yeah, avec l'accent s'il vous plaît. Bon, ça concerne quoi ce machin? Oui d'accord, ouvre-toi ça. Ce petit crash, hop. Oui donc en fait je reprends comme si ne rien n'était, mais en fait oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques mois d'absence. À coup, je suis très heureux de te retrouver. Ah d'accord, Rolling Stone, je comprends mieux pourquoi maintenant. Il va y avoir des Rolling qui stone quoi, tu vois. De la pierre qui roule. C'est comme tu veux pour essayer d'y arriver dedans. Ouais, donc voilà. Bon, je vous ai dit, absent pendant quelques mois. Et du coup, ça y est, je reprends enfin ce fameux let's play qui était tant attendu, que vous appréciez tant. Faudrait pas que je me chie déjà pour la reprise. Je vais essayer de le finir sans un seul shoot. Parce que c'est un niveau, certes, qui appartient à la première île, mais qui est quand même assez complexe. Comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est ce machin? Oh mon dieu, de la TNT! Hop là! Et... oh merde! Bon, tant pis. Ouais, donc je vous ai dit, ça y est, enfin on le reprend. Hein, c'est pour faire un peu de la transition avec... avec quelques moments où est-ce qu'il n'y aura pas de vidéo test sur ma chaîne. Ça permet au moins de vous garder en ma compagnie. Alors là, ça c'est ultra violent quand même ce qu'ils me font faire. Je me rappelais pas. En fait, Crash Bandicoot, c'est un jeu quand même qui est assez dur. Après vous allez me dire, ouais pourtant, voilà, c'est un jeu de plateforme quelconque, etc. Non, en fait, je pense que la difficulté des jeux... Ça y est, je vais être invincible. Faudrait pas que je me croûte comme dans les, comme dans l'autre passage. Je pense que c'était un jeu qui était assez dur, de par en fait son gameplay qui était en fait... j'ai failli me croûter. Qui était en fait assez chaud quoi, à réaliser en fait, tout simplement. Le fait est que... voilà, enfin, on avait du mal à se... Pas du coup, mais c'est pas vrai quoi. Et j'ai l'impression... J'ai l'impression que le fait d'être invincible, ça me rend vraiment merdique. Je vous disais, voilà, de par ça, la difficulté du jeu... Ouais, ok, voilà. La difficulté de gameplay, en fait, se déplacer avec des touches analogiques et tout, mais j'ai vraiment plus l'habitude, moi je suis tellement habitué au joystick, j'ai beau l'avoir téléchargé sur... Oh, du coup, c'est génial. J'ai beau l'avoir téléchargé sur Play, en HD, moi je suis habitué au joystick, là, et ce jeu, il refuse le joy, quoi, ça m'énerve. Donc voilà, après, un gameplay vraiment un peu complexe, quoi, en fait, voilà, une difficulté de mouvement, ça venait de là pour la plupart des jeux, quoi, en fait, hein. Faut pas se leurrer. Je vais passer, je vais y arriver, oui, ça y est, et ben voilà, oh, ça y est, j'ai un peu fini, oh, une tête de brio, je m'en rappelle plus ce que c'est déjà des têtes de brio, je sais pas où est-ce que ça m'amène, plus que 3 vies, ça risque d'être chaud, à de suite, tout le monde.